Sometimes you need a hero to save you when you've gone wrong and you don't know what to do. Sometimes that hero is an attorney. His name is Max McMahon, and he's the one with a plan. Money, fashion, success. Je suis Bob Lennon, et bienvenue dans L'Avocat du Diable, un jeu absolument exceptionnel que Lennon refait en français. Allons-y. Voyez-vous, là ce que vous ne voyez pas, c'est le fait que j'ai passé 40 minutes à jouer au jeu en long, en large et en travers, mais en anglais. Et donc, pour votre confort YouTube, pour votre confort exclusif, je reprends une nouvelle partie en français, cette fois-ci. Je passe le didacticiel et je vous expliquerai le jeu. C'est extrêmement simple à comprendre, allons-y. La loi de la jungle. Oh là 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 là, bienvenue, braves gens, dans les rues parisiennes de Montmartre. Nous sommes ici à Paris, ce qui est aisément reconnaissable avec le quartier de la Défense derrière et deux pigeons, bien sûr. Les tags culturellement français, évidemment. Bref, la qualité. Et nous y avons un appartement d'une qualité absolument exceptionnelle. Regardez-moi ce loft étudiant que l'on qualifierait de authentique. Dans L'Avocat du Diable, The Devil's Attorney, nous sommes un avocat, j'allais dire véreux, mais c'est faux, on a un traitement pour ça, et nous sommes un avocat, mais évidemment, qui tentons de défendre des cas indéfendables et d'apporter la justice à des gens bien évidemment innocents. Ça veut absolument rien dire. On a 700$ et Rodrigo est clochard, et Rodrigo voit passer l'argent de toutes les causes humanitaires sans en toucher un centime. Rodrigo est un vrai Français. Rodrigo a payé sa facture de gaz cet hiver, c'est ça qui est bon. Alors, ce jeu me tient à cœur de le faire, pourquoi? Parce que... Et non, attendez, laissez-moi voir mon bureau quand même, voilà. Ce jeu me tient à cœur parce qu'à l'époque, braves gens, il date de 2012, il est assez vieux, hein, il est assez goldé. Et à l'époque, Fantam disait, Bob, il faut absolument que tu fasses un playthrough de ce jeu. Faut que tu fasses un playthrough de ce jeu sur la chaîne. Moi, je tiens à comment ça? Parce que The Devil's Attorney, Max McMahon, le mec, il te ressemble tellement, ça veut rien dire. Moi, je fais, tu veux dire que le gars qui a encore des cheveux, un grand sourire, une tête de glandu, une confiance en lui absolument imbloquable et qui est capable de dire des dingueries complètement débiles, c'est moi en fait, voilà, avec un sourire de fils de pute. Absolument. Merci Fanta, je vais le prendre bien. Et du coup, on l'avait pas fait parce qu'on n'avait pas trouvé le moyen d'enregistrer sur un iOS en fait, sur un portable ou sur une tablette ou quoi que ce soit. Et là j'utilise BlueStacks et on a enfin réussi à faire marcher le jeu. Donc je me fais ce petit plaisir en honneur et en mémoire. Allons-y. Alors en plus à l'époque je l'avais fait il y a longtemps, il y a plus de 10 ans, en anglais. Et là il est en français, c'est pour ça que je relance 40 minutes de tournage et je vais me faire foutre. Alors, le client d'aujourd'hui est James King et le procureur Roger Mansell. James est accusé d'avoir vendu des VHS piratés dans la rue. Il prétend que son seul crime, c'est d'aimer le cinéma. Je ne vous mets pas le tutoriel, je vais vous expliquer et c'est extrêmement simple. Allons-y. Max McMahon. So, your client has been selling illegal copies of VHS tapes? You mean allegedly selling? Well, as you'll soon realize, allegedly won't get you very far. But... Since you're new, I think this could be a good lesson in morality for you. Morality? Huh. Morality is like a cheap perfume. But I already have a perfume, and it's called success. In fact, I'm wearing it right now. Oh la 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 la. Ainsi,
ainsi qu'un petit costard 3 pièces couleur lavande. Respectez-moi. Et vous portez un parfum? Vous avez le succès aujourd'hui? Vous avez de la morale? La morale, je l'ai mangée. Elle était délicieuse en sauce. Demandez à votre mère. Ça parle tellement mal. Impeccable. La trad est pas à chier, donc ça va être cool. Très bien. Dans The Devil's Attorney, le but du jeu est de défendre son cas, hein, son cas d'affaires juridiques, entre coupable et non coupable. Donc j'ai 8 points de vie. À chaque tour, bien évidemment, je vais me prendre des dégâts, 2 d'attaque de la part de cette preuve, et de 1 à 2 d'attaque de la part de... On va dire qu'il est indien? Peut-être? Peut-être! De la part de cet homme! De la part de cet homme. Donc du coup, mon client apparemment vend des VHS prétendument illégales, madame la juge. Madame le juge. Alors, à savoir, pour ceux qui se posent la question entre madame le juge et madame la juge, lorsque j'étais dans mon instance de divorce et que je suis passé devant une juge, enfin une femme juge, si tu veux, elle a fait, et donc c'est ainsi, et je suis prêt à rendre le jugement. Est-ce que l'une des deux parties a la moindre question? Dites-les maintenant. Moi, je fais, j'ai une question. Elle fait, oui, bien sûr. C'est madame le juge ou madame la juge? Avec tout le respect que je vous dois, c'est juste ça me taraude depuis des années et je préfère demander à la personne qui est directement concernée. Elle a explosé de rire, mais tout doucement parce qu'elle essaie de rester digne. Et elle fait, alors, dans le métier, moi, on peut dire les deux, mais moi, personnellement, je préfère madame le juge. Moi, je fais très bien madame le juge, je n'ai plus de questions. Merci, prononcez le divorce, il n'y a pas de problème. Elle l'a très bien pris, mais au moins j'ai une réponse. Tu vois, j'ai une réponse. C'est selon le juge ou la juge. C'est un piège, en fait. C'est un piège total. C'est un piège total. Mais du coup, voilà. Donc, bravo, madame le juge. Madame le juge. Sur cette cassette se trouve du porno thaïlandais. Et tout le monde sait que le porno thaïlandais est irrecevable. Irrecevable dans une cour de justice. Irrecevable, j'ai dit. Irrecevable. Voilà, merci. You can discard that evidence. Thank you. Excellent, très bien. J'ai claqué 2 points d'action, voyez, avec analyser, qui fait une attaque entre 0 et 1 point de vie sur l'épreuve, et seulement sur l'épreuve. Là, il y a un témoin. Voilà. La preuve avait 2 points de vie. Les points de vie, en fait, c'est ce qu'on appelle la crédibilité dans le jeu. Donc, par exemple, ce procureur-là va ajouter 1 point de crédibilité à tous les témoins par tour. Voilà. Et il a 5 points de crédibilité. Donc, bien évidemment, il faut absolument le discréditer afin de gagner ton cas juridique, parce que comme tout le monde sait depuis l'affaire juridique de Johnny Depp et d'Amber Heard, ça n'est qu'une question de preuve, de popularité, de mise en abîme, et de tout le reste. Prendre de haut, alors en anglais c'est patroniser, donc ça veut dire infantiliser ou même daroniser, mais prendre de haut ça marche. Interroger, donc un petit interrogatoire et un contre-interrogatoire, et vous voyez ça fait une attaque entre 1 et 5, une attaque entre 3 et 5, ça coûte 3 points d'action et 4 points d'action, j'ai un nombre de points d'action limité par tour, donc ce qu'on va faire c'est, j'ai 6 points, on va le fasciner. Monsieur Netterlé Parapidapatou Patakatafou. C'est un vrai nom. Regardez cette cravate. Est-ce que cette cravate est bleue ou verte? Voilà. Madame le président, madame le juge, je vais laisser quelques instants à ce témoin pour répondre à cette question. Sa réponse étant incomplète et insuffisante, car il ne connaissait pas le mot français pour décrire ma cravate, qui bien évidemment est couleur bleu rêve, Son témoignage n'est pas valide, n'est pas recevable. Il n'est même pas capable de différencier les couleurs. Madame le juge, il n'est pas capable de différencier les couleurs. Comment voulez-vous qu'il différencie les accusés? Voilà. Avocat de charme, la cour a été déjouée. Un témoin, il m'a fasciné. Oh. Excellent. Bien, maintenant qu'on a un petit peu de pécule, on va pouvoir améliorer notre appartement. Alors pourquoi on veut améliorer notre appartement avec des pièces? Parce qu'en fait, chaque meuble dans votre appartement permet d'améliorer une de vos stats. Voilà, il y a plusieurs possibilités. Et le but du jeu est aussi de min-maxer pour atteindre maximum dans chaque stat. Mais voilà, matérialisme, décadence et vanité. Matérialiste, plus vous êtes matérialiste et vous gagnez analyse experte, qui permet de faire des gros dégâts sur l'épreuve. Discrédité, une attaque sur les personnes qui coûte pas très cher.
intimidé réduit la crédibilité, donc les points de vie, de 50% une fois par procès. Enfin, la tirade qui permet d'enlever 2 points de vie à chaque adversaire sans aucune forme de pitié. Voilà, c'est pour ça. De l'autre côté, il y a bien évidemment la décadence qui débloque. L'objection ! Voilà, l'objection qui bloque un adversaire une fois par manche. Hypnotiser les témoins, bien sûr. Avec un mélange de couleurs et de mouvements hypnotisants. D'utiliser de la psychologie inversée. La personne visée s'attaque elle-même. Et de la dramatisation, bien évidemment, madame la juge. Faire de la dramatisation totale afin de temporiser au maximum. Voilà, la décadence, ça permet de temporiser. Et enfin, la vanité, un discours épique qui permet de gagner plus 5 au point de vie. Une voix grave qui maximise les dégâts de ta prochaine attaque. La fanfaronnade qui peut changer 5 points de vie pour plus 3 points d'action. Et enfin, la grandiloquence, une posture impeccable qui permet de gagner plus 3 points de vie par tour. Voilà, c'est très très fort. Il y a des succès, j'en ai déjà eu en jouant un petit peu, et des accessoires. Voilà, donc c'est... Du coup, améliorons notre appartement. Alors, nous pouvons avoir une chaîne IFI FX 2000, une petite étagère IKEA pour prouver qu'on a voyagé, histoire de séduire les filles qui sont là. Ah, moi, ce que je veux faire, c'est voyager le plus possible. Ben, viens voyager dans mon appartement, on va voir comment ça se passe. Un damier au sol, rococo à souhait. Un zigzag pour plus de matérialisme. Du papier peint en forme de clairière, le mur du succès de l'argent, du Z-Event, ou la noix de coco, absolument imbloquable. D'ailleurs, premier achat, oh, pour un point supplémentaire de décadence. Et enfin, la lampe fièvre discours aux deux biais de la piste, des bleutés, la star, et zèbre sauvage, le lagon bleu, alors il est sympa, mais il y a le sénateur, regardez ça, oh là là. Ah, tu te le brosses les mains dedans, hein, ça fait plaisir. Le canapé lit, roi léopard ou la ligne rouge. Intéressant. Mais dans ce cas-là, on va partir sur du sol. On a l'argent. Ouais, on a l'argent pour un petit sol en zigzag. Et regardez ça. Oh là là, c'est tout de suite plus vivable. C'est tout de suite plus vivable. Avec ça, on peut ramener une étudiante à Sciences Po. Voilà. Sans se faire accuser en justice. Alors, client Ricky Moore. Procureur Mike Spencer. Ricky est accusé de s'être déguisé en officier de police. Selon Ricky, c'est banal comme accident de travail quand on travaille en tant que stripteaser. Du coup, allons-y. So, we have a new face in court today. Max McMahon, is it? I see your stripper client is charged with impersonating a police officer. How quaint. Hey, 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 give the man a break. The uniform is just part of a fantasy. Come on, don't you ever fantasize? What? So you do fantasize. Oh, is it juicy? Hey, I'm not the one on trial here. No, I believe the dirty pervert's trial is down the hall. Ooh. Écoutez, si je gagne ce procès sous deux cours, il peut vous louer ses services, évidemment, pour le plaisir. Alors, nous avons deux témoins et Mike Spencer. Allons-y. Mike Spencer donne plus d'attaques par témoin, mais si Mike Spencer... Il faut savoir que les gens qui ne boostent que les autres, c'est-à-dire ceux qui boostent les preuves, ceux qui boostent les témoins, si on se débarrasse de tous les témoins ou de toutes les preuves, ils disparaissent automatiquement parce qu'ils n'ont plus d'effet automatique, donc ils meurent automatiquement. Du coup... Il faut faire disparaître ces deux témoins. Alors ce témoin a beaucoup de crédibilité et pas beaucoup d'attaques, même s'il est boosté par Mike. Et ce témoin a un peu de crédibilité et beaucoup d'attaques. Donc on va commencer par lui. Avec une petite interrogation. Madame le juge, Madame la juge, cet homme portait une chemise à carreaux. Voilà. Il se prend pour le joueur du grenier. De facto, il n'est absolument pas crédible pour témoigner dans une affaire où quelqu'un se prend pour quelqu'un d'autre en se déguisant en officier de police. Madame le juge, c'est pas possible, madame le juge, inacceptable. Et quant à lui, 2-5 d'attaque, il va falloir soit se débarrasser de Mike, soit réussir à faire un grand coup. Boost d'ego, plus 3 la prochaine attaque, et bien il va falloir que ça passe, sinon ça tue. Allez, madame le juge, regardez, je mets mes doigts dans ses lunettes, ce sont des lunettes sans verre, madame le juge. Est-ce qu'on peut être un petit peu sérieux? Comment voulez-vous qu'un témoin puisse prétendre avoir vu quoi que ce soit s'il a des lunettes sans verre? Soyons sérieux! Soyons sérieux! Merci, madame la juge!
L'avocat parle et le stripteaseur est libre. Le procureur, je suis à la fois furieux et excité. Excellent. Parfait. On a un petit peu d'argent, regardons notre appartement. Est-ce qu'on peut améliorer quelque chose? La boule disco pour plus de décadence. Ouh, le dieu de la piste et plus de vanité. Alors, il faut pas rusher les compétences, brave Jean. Parce qu'en fait, chaque appartement que vous gagnez par la suite ont plus ou moins de possibilités de vous faire gagner des meubles qui permettent de gagner des points de compétences. Je sais que par exemple, le matérialisme, c'est bien d'en prendre au début parce que c'est très difficile à obtenir par la suite. Alors que la décadence est toujours accessible, bien évidemment. Donc on va prendre les lampes du dieu de la piste. Oh là là. Et je suis capable de faire un discours épique à une étudiante sur pourquoi nous dormons dans un environnement beau mais sur un matelas fait seulement d'amour. C'est de plaisir. Avec des projos pour tourner des vidéos porno à l'étage, enfin au plafond si tu veux. Billy Rodriguez face à Margaret Jones. Oh putain, il y a Hillary Clinton. Billy a organisé une loterie pour lever des fonds à destination d'entrepreneurs dans le besoin. Il n'aurait pas indiqué cependant qu'il appartenait aussi à cette catégorie. Le mec, il a juste fait une petite tombola pour faire tomber l'argent. C'est garanti. Allons-y. There's some pretty solid evidence against your little entrepreneur, so I'm afraid you're in for a pretty short trial, kid. Actually, short trials are my favorite. I usually aim to win one before lunch. Oh, the youth. Always so cocky and full of themselves. Well, I'll take young and handsome over old and bitter any day. I never said handsome. You never said what? Handsome. Well, you said it now. Oh. Madame la juge, il y a comme une odeur de naphtaline qui s'imprègne de ces murs judiciaires. Alors, très bien. Donc, il y a une témoin qui a participé à un truc de tombola, mais à mon avis, elle a été vexée parce qu'il a dû lui parler mal. Et il y a un ticket, Madame la juge. Madame la juge. Un ticket. Vraiment, on est quoi, en 1984? Non mais, soyons sérieux. Soyons sérieux. Ah merde, j'ai juste falsifié une preuve pour réduire temporairement l'attaque des preuves. Attendez, pouf pouf. Je me suis trompé. Je voulais baisser les points de vie de la preuve. Avec une petite expertise. Voilà, merci. Madame la juge. Madame la juge. Merci, madame la juge. S'il vous plaît, c'est des tickets au pif. Elle aurait pu les sortir de son fiac. Voilà. Alors, Margaret Jones a un super pouvoir, c'est que son attaque est égale à ses points de vie. Donc elle a 6 de crédibilité et 6 d'attaque. J'aimerais porter l'attention de la cour sur le fait que la procureure générale est extrêmement vieille. Merci, madame la juge. Madame, regardez cette cravate et posez-vous la question. Est-ce que c'est le même bleu que vos boucles d'oreilles? Ouch. Ah. Oh, tout va bien. That's very impressive. Tout va bien. Un petit discours épique peut nous redonner un peu de points de vie. Parce qu'elle nous a enlevé un point de vie en nous disant non, c'est pas exactement le même bleu, tu vois. Et Margaret Jones, juste parce qu'elle a un travail, elle nous décrédibilise. C'est une catastrophe, ça. Est-ce que... Ouais, elle est pas beaucoup de risques. Ah, dommage. Allez. Ouais, c'est bon, ça nous a coûté comme interroger, mais au moins c'était garanti, très bien. Et là, il nous faudrait un contre-interrogatoire, mais on ne peut plus faire de boost d'ego. On pourrait tenter une double interrogatoire. Ouh ! Écoutez. Mademoiselle. Madame. Mademoiselle. Ici, nous sommes dans un établissement sérieux, avec des preuves sérieuses. Avec des accusations sérieuses, nous sommes dans une cour de justice. Tenez-vous ! Tenez-vous, vous êtes hystérique ! Merci, mademoiselle. Loterie gagnante. Ticket pour la liberté. Le procureur, la justice a été trahie. Impeccable. Très bien. Voyons voir. Alors, il nous faut une cuisine, une étagère, une lampe et un slip. Ceci coûte terriblement cher, malheureusement. Ouais, il va nécessiter une petite économie, allons-y. Client Jimmy Woo.
Procureur Jacques Bourbon, Jimmy a vendu des hot dogs fabriqués avec des ingrédients douteux, ce qui a fâché les propriétaires d'animaux du quartier. I've dealt with many young rookies like you in my day, and it always ends the same way. Does it end with a young rookie winning the case? Ha! What I meant was, I hope you don't mind being crushed. Ooh, well, just as long as it's not under those cheap boots. What? These boots are made from the finest Texan leather. Interesting. I didn't know they had hyenas in Texas. Ouh! Elle est blasée, madame le juge. Elle voit des trucs tout le jour. Ça veut rien dire. Alors, tout d'abord, madame le juge, je souhaite dire, simplement, parce que prétendument, la viande de ces hot dogs aurait été faite avec les animaux du quartier, que déjà, en préambule, il y a une excellente raison. Une raison absolument imparable, madame le juge. Mais avant même de mentionner cette région, je tiens à dire que parce que cette femme hétéro cis blanche témoigne contre une minorité, elle est forcément raciste et on ne peut pas recueillir un témoignage d'un raciste, de la part d'un raciste dans cette cour de justice. Ici, on est une cour de justice sérieuse ici. Voilà, très bien. Ensuite, avant même d'évoquer la vérité, madame la juge, la vérité absolument incroyable. Qu'est-ce que je pourrais faire, là ? La vérité absolument incroyable qui justifie absolument tout et explique tout depuis le début, je souhaite à dire que cet homme s'appelle Jacques Bourbon. De fait, il évoque l'alcoolisme. De fait, il n'est pas applicable d'utiliser ce mot comme une marque au milieu d'une cour de justice. C'est comme s'appeler Coca-Cola. Faut être sérieux! Sortez, monsieur, sortez! Il reste un témoin. Tout ce que j'ai à dire, c'est que je suis fasciné par sa coiffure. Is that the best you bon. Got? Madame la juge, mon argument ultime est le suivant. Il y avait des animaux dans le quartier. Il y avait de la viande dans ces hot dogs. Mais madame la juge, tous ces animaux avaient des pieds. Je vois pas vraiment en quel rapport... Tous ces animaux avaient des pieds, madame la juge! C'est donc culturel! Allez, on va manger! I'm amazing. Allez! Affaire classée. Merci, au revoir. Un jeune avocat captive le tribunal. Son charme m'a abasourdi. Voilà. Ah, putain. Ah, me taperai bien un hot dog. Bon, vous voulez... Non, tu laisses ma table de cuisine tranquille. Impeccable. Très bien. Ça a été un massacre. Alors, l'aventurier Bob Mohan contre tout chacal. L'aventurier contre tout guerrier. Mais j'avoue, une petite chenifie. Entre la chenifie et le canapé léopard. Sénateur aussi. It's a cell phone, but it's also... Oh là 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 là, j'ai débloqué l'objection. Allons-y. Alors, client Sam Flanagan. Oui. Sam est accusé d'exhibitionnisme. Sam assure qu'il est rentré d'une soirée rosée et qu'il n'a pas dansé nu dans la rue en chantant des airs de Disney, comme l'ont décrit les voisins. Face à Jacques Bourbon, allons-y. Défendons la liberté, mesdames et messieurs. Well, if it isn't Max McMahon, the world's most charming attorney. Protecting drunken, naked guys today, are we? Well, you got lucky last time, Max. Today, you're going down. Really? You're quite stubborn, aren't you? I think we both know that the only thing going down is your career. Oh, my career is just fine, thank you. Really? If your career was a boat, it would be the Titanic. And if I was an iceberg, you would be capsized. C'est inclusif, allons-y. Madame la juge, mon client est accusé d'exhibitionnisme, là où la seule chose qu'il démontre, c'est son esprit de liberté. Vous ne pouvez pas emprisonner cet homme réformé
repentant, soumis aux lois de la société civilisationnelle pour sa nudité, car Madame la juge, oui, Madame la juge, il n'est pas nu, regardez! Il porte une cravate. Même dans sa culture interne et propre, même dans sa morale, même avec les différences qui nous séparent, il a fait l'effort de vous atteindre, Madame la juge. Il a fait l'effort du respect. Alors ayez le même effort, je vous en supplie. Alors l'expert nous montre une grosse saucisse. Alors vous êtes un expert, monsieur ? Absolument, je suis biologiste de métier. Très bien. Et donc ceci est une grosse, grosse saucisse. Tout à fait. En turgescence, vous diriez ? Une saucisse de 9 cm au repos, 17 cm, une fois bien alimentée, si vous voulez. Oui. Et donc, vous me dites que c'est une saucisse, bien évidemment, masculine. Absolument. Ah ah ! Ah ah ! Je te tiens. Monsieur l'expert. Oui. C'est une saucisse masculine. Oui. Et en tant et en votre qualité d'expert, pouvez-vous affirmer que mon client est un homme ? Allez-y. Je vous écoute. Vous avez prêté serment ? So much evidence, so... Dehors ! Très bien. On défend la liberté ici. Allons-y. Ensuite, petit boost d'ego parce qu'on se bat contre Jacques Bourbon. Et lors de questions qu'on perde face à un mec qui s'appelle Jacques Bourbon, tu vois. Allez, tu sors. There's no justice. Tu sors, t'as pas de cas, tu sors. Oh. Un nudiste a retrouvé la liberté. Madame le juge lui a offert l'opportunité d'être encore plus libre qu'il est nu. Mais que devient notre société ? Elle devient libre ! Espèce de nazi ! Oh, putain. Oh, on est bien, là. Allez, encore un peu d'argent. Sal Miller, il est revenu, lui. Sal voulait juste instruire son entourage en vendant des livres. Ça doit être une faute de frappe, le B et le V sont à côté. Sal voulait juste instruire son entourage en vendant les livres à prix réduit. Il n'aurait peut-être pas dû vendre ceux qu'il empruntait à la bibliothèque municipale. Bon, l'esprit et l'esprit d'entrepreneur et l'esprit d'entreprise. For your information, I'm also wearing the success perfume today. Really? Smells more like failure. Okay. Then perhaps I'm wearing another perfume. And this other perfume is called Kicking Your Behind. How do you like that? So you're saying your perfume is kicking your behind? No. C'est bien, parce que ce sera retenu contre toi. Alors, Roger Rancel rajoute 3 points de vie par témoin par tour. Et ce témoin, il est revenu avec ses lunettes. S'il vous plaît. Déjà, on va commencer par faire un petit... Madame la juge, ai-je besoin de mentionner la coiffure de ce témoin ? Non, s'il vous plaît. Madame la juge, est-ce qu'on peut essayer d'être un peu sérieux ? Ouais, je joue la RNG, je sais ce que... Madame la juge ! Ou Madame le juge ? Madame le juge ! S'il vous plaît ! Merci, Madame le juge. Bon, je soupçonne qu'elle a accepté de faire sortir ce témoin de la salle que parce que je lui ai fait chier, mais... Bon, il va falloir se faire petit. Madame le juge, vous observez que ce client n'a toujours pas de verre à ses lunettes. De fait, il y voit toujours aussi moins bien qu'il y voyait la dernière fois. J'aimerais aussi approcher le fait que mon client précédent ressemblait à peu près à ce client aussi. Donc c'est facile d'avoir échangé, bien évidemment, les identités. Et si mon client précédent, qui lui était un peu plus marron, comme vous le connaissez bien, monsieur, a pu commettre le crime, ce n'est pas lui qu'on juge aujourd'hui. De fait, il n'y a pas de crime qui a été commis, il n'y a donc pas de cas de justice. Fin du bail. Merci d'avoir joué. Encore une victoire du jeune avocat. Le procureur, le gamin est rusé, trop rusé, bien sûr. Voilà. C'est tout. Il y a eu mistrial, voilà, il y a eu mauvais jugement. C'était pas la bonne personne. Comme le dit mon client, si pas moi, madame. Si pas lui, donc de fait, fin du bail. Excellent. Alors. Ce plaid trou va être imbloquable, je sens.
On a toujours pas l'argent, donc tant pis. Mais par contre, quel swag, hein, cet appartement. J'y vivrai. Ah non, si. Quoiqu'à Paris, j'ai pas les moyens. Client Mitch Moore, procureur Macarek Jones. Mitch est accusé d'avoir hébergé chez lui un jeune cougar chez lui. Mitch assure que Moustache n'est pas un cougar, mais juste un chat un petit peu gros. Inhabituellement gros. Allons-y. Garanti. Didn't your mother ever tell you that you can't have cougars as pets? Cougars belong in the wild, not in your hippie client's apartment. My mother told me many things. For example, that I shouldn't ever talk to strange old ladies. Besides, what do you have against hippies anyway? I've got nothing against hippies. I used to be somewhat of a hippie myself, you know? No way! Is that why your pupils look so funny? Or is that just your cataracts? No, that's the look I get when I'm wishing hurtful things upon someone. Oh. Oh, low blow, Max, low blow. On parle pas de la cataracte des vieilles femmes, ça se fait pas. Non! On parle du fait qu'elles sont vieilles, ça les rend encore plus en colère, tu vois. My mother never told me I couldn't keep a cougar as a pet, but she told me I could pet a cougar. Allons-y. Du coup, Madame la juge, comment on se retrouve? Vous allez bien? Très bien. Merci, Madame le juge. Je vais très bien aussi. J'ai quelques questions à poser de simple logique. Mon client est un hippie. Voilà. Bobo, vegan, gauchiste, tout ce que vous voulez. Il a tout le grand chelem. Avec la coiffure... Et comment ça s'appelle? Le poil facial incertain. Voilà. Bon. La pilosité faciale incertaine. Bon. On veut me faire croire que cet homme, s'il s'identifie en tant qu'homme, aurait de la viande chez lui. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Restons un peu sérieux. Voilà. Faites sortir le boucher. Merci beaucoup. Voilà. Ensuite, nous avons un témoin. Je reconnais que ce témoin a l'air solide. Mais le simple fait qu'il soit venu ici, au jugement d'un homme innocent, prouve. Objection, Margaret Jones, tu la fermes le temps que je finisse. Prouve qu'il a forcément des intentions malhonnêtes. I'm relieving you of your... De fait, son témoignage n'est pas recevable, madame le juge. Margaret, bon, Margaret, hein, on va pas chipoter. Bon, on va pas chipoter. Clairement, votre barreau, c'est comme le permis de conduire pour les vieilles personnes. On devrait le retirer aux gens qui ont plus de 95 ans, si tu veux. C'est pas possible. Margaret, voilà. C'est finalement, voilà. La défaite, c'est comme la voiture, vous la prenez pour partir. Oh putain, ça le pas. Margaret! Next. Il faut partir. Time, Max. Merci. Allez. L'audience est levée, allez hop. L'avocat sort ses griffes. L'avocat, c'est un grand jour pour les félins. Votre client est tellement ravi de vos efforts que vous recevez un cadeau personnalisé. Alors, on était arrivé jusque-là sur la version anglaise, brave Jean, et j'ai retourné les épisodes derrière pour le plaisir. Donc, je vais vous mettre un extrait, de ce qui se passe si vous prenez le pimp hat. Si vous prenez le pimp hat, le chapeau de Mac, le chapeau de Marlou, vous êtes équipé, votre perso est équipé du chapeau de pimp hat dans toutes les cinématiques. The young and dashing Max McMahon, we meet again. Oh, I'm sorry, have we met before? Well, yes, we met in court the other day. Well, I guess you didn't leave much of an impression. Now then, perhaps beating you in court today. Ce chapeau de pimp est absolument imbloquable. Et c'est imbloquable. Cependant, brave Jean, je vous laisse avec l'extrait. Et nous, pour la prochaine fois, on prend les chaussures italiennes parce que vraiment, le matérialisme. Merci infiniment d'avoir regardé cet épisode problématique. Ah putain, le jeu est tellement de 2012, il nous met la max. Dans tous les cas, je vous aime très très fort. Je vous fais de gros bisous. Merci infiniment, amusez-vous et allez en paix. Allez. Essayez de laver votre âme, allez donner pour d'autres associations caritatives. En plus du Z-Event, faites des choses. Bisous et à la prochaine. Allez, sous.